I knew it'd be hard. Damn. When was it ever easy? How many times during my countless raids did death stare me right in the face? But that hideous face staring back at me was beyond even my imagination. There is no escape. Your body belongs to me. Men, attack! Hey, y'a encore les pirates du 2, apparemment. Je savais pas du tout. Entre le système de combo du 2 apparemment. Je sais pas trop si c'est le Kraken. Les visages sont vraiment magnifiques dans le jeu. Plutôt sympa. Oh, mais c'était qu'un cauchemar. That bastard. Hey. Hey. Did you have your nightmare again? It's always the same. The ghost captain. He haunts me almost every night. It's just a dream. Real life is out there waiting for us. Anchors away! Come on, we're here. At the Crab Coast? How long was I asleep? Far too long. Now come on, get your ass out of the cabin. I'll go and wait for you on the shore. Mais tout prendre! Et pour eux, c'est son comme ça. Ah, d'accord. C'est qui m'oblige à ouvrir l'inventaire. Équipez-vous pour se faire sélectionner. Main droite et choisir une arme. Ok, main droite. Lame de barbe, merci. Ouais, c'est fait. Voilà, merci. Main gauche, pistolet. Tête, tricornière. Corps. Un bon manteau. Le nom, on peut mettre des boucles d'oreilles, amulettes. Pour l'instant, ça ressemble au 2. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Le 2 avait un très très mauvais début. Démarrage, il y a eu aussi une très très mauvaise fin. Par contre, tout le reste, le milieu est vraiment cool. Ok, donc on se soigne avec du rhum, ce qui me fait rire. Et on se régénère la santé avec des provisions. D'accord. Comme avant. Ok, on regarde. Ah, la carte est sympa. Ouh, la carte est sympa. Plutôt joli. Ok. Salut, salut bestiaux. Ok, collection. Ah, c'est comme avant, il y a une sorte de reliques à trouver, en fait, des objets légendaires, voilà. Il y en avait dans des coffres.
J'aime bien le menu, comme tu dis, Big Kazam est joli. Là, par contre, la petite roue qui tourne en même temps que je descends, je trouve ça très très mignon, en fait. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est propre. C'est carré, c'est taillé un peu à la hache, mais c'est propre. Ouais, comme dans le 2, c'est pas de l'XP qu'on gagne, c'est de la gloire, c'est marrant. Du coup, on peut gagner en titre aussi. Ah, c'est vraiment plus beau, hein. Ah, désolé si ça rame chez vous. J'ai pas beaucoup d'images perdues là pour l'instant. Treasure of the Southern Seas. We need to get to the ancient temple. According to the map, we need to follow the path. Come on, dearest brother. We'll be rich soon. Après, si ça rame des fois, j'ai pas une bonne carte graphique, hein. J'ai pas un truc de fou. Ah, comment je dégaine? Je sais plus comment je dégaine. Ah, c'est milieu, voilà. Il me l'a dit en plus. Alors, vous avez un système de combo, en fait, c'est simple. Quand vous tapez, vous devez attendre que le coup se finisse pour retaper et enchaîner les coups. Sinon, bah, vous annulez, enfin, le coup ne part pas. Et ce qui était marrant dans le 2 au début, quand j'ai joué, j'ai passé une heure à ne pas comprendre ça, comme quoi qu'il fallait enchaîner les coups de façon réaliste. Et du coup, j'avais l'impression que le gameplay était tout pourri. Alors que pas du tout, en fait. Chapitre 1, le vieux temple. There's the old temple. I knew it. Now we just have to get there. Oui, Patty. J'adore ces jeux où, en fait, c'est pas plus beau que ça, techniquement, mais par contre, c'est une direction artistique impeccable, et du coup, ça leur donne un charme assez incroyable. Ah oui, là, j'enchaîne bien les morts, et du coup, ça fait de jolis combos. Looks like a dead pirate. Just as I thought. We're not the only ones looking for the old temple. You should take a look. Maybe he's got something of use. Oh, on peut bouger pendant les... Oh là! C'est un peu trop fluide. Alors, je vois, il est où le... Ah, il est là, le pirate mort. Ouais, j'en ai pour aller qu'il y ait une quête. Okay. J'ai chopé quoi? Un pistolet d'alcool et de l'or. C'est que c'est une quête. Alors, trésor du pirate mort. Un pirate mort sur la côte des crabes transportait une carte au trésor. Sur cette dernière, un lieu spécifique est indiqué sur la côte des crabes. Je pense qu'il a enterré son précieux trésor avant d'être tué. Ok. On fixe le repère. Ça c'est fait. On quitte. Ah, il a une map trésor. Look at the map and let's see where he buried his stuff. He hasn't been there long. I reckon he hid his treasure somewhere close. Ah, apparemment on n'a pas de barre d'endurance et ça, ça me plaît. Ah, l'endurance dans les jeux, c'est vraiment un truc qui me... Ah si, on l'a. Elle est pas là, mais elle existe. Ok. C'est ennuyant. Parce que des fois, tu dois faire des grandes distances et moi, ça m'énerve. Attends. Mais non, on va pas rester sur le chemin, voyons. Pourquoi veux-tu que je reste sur le chemin? C'est pas drôle. Comme ça, je peux cueillir des noix de coco. Ah non, c'est des champignons. We've gone too far. We need to turn back. Bonsoir, TPG. You even fucking know where we are. Mais oui, je sais où nous sommes, bon sang. Yes, I do know where we fucking are. Huh. All right. But if you want to go back, just tell me, okay? Bah allez, on va suivre. Oh, elle est pas drôle. Hein. Oula, ça ramouille. Là, c'était pas le stream, c'était bien le jeu. Je descendrai peut-être 2-3 trucs, hein. Je ferai un peu d'aliasing, tout ça. Si jamais ça rame de trop. Ce qui était vraiment génial dans le 2 aussi, c'est que le côté open world, et du coup, bah voilà, qui en parle, du coup il y a plein de choses à faire, vraiment, c'était vraiment fun. Alors c'est ce qui avait sauvé le 2 à mon sens. Hein. On prend des pilons de poulet sur les charognards, ça me fait rigoler. Oh. What was that? I felt as if... There.
Just then. Il a vu le fantôme du pirate mort qu'il avait vu dans son cauchemar. Be careful, it looks dangerous. I think you could do with some healing. Ok. Alors. Midkitano. Il me faut mettre du rhum en 1. Voilà. Et ce sera bien. Je sais absolument pas comment je change d'arme. Ouais, ils me le diront assez vite, je pense. Une battée. Je sais pas c'est quoi du tout. Les combats sont pas très... en fait, ça a pris un petit coup de vieux. On dirait une sorte d'Assassin's Creed au clip. En même temps, je dis ça, mais Assassin's Creed, je joue pas la souris, donc aujourd'hui, c'est pareil. Un petit côté Batman aussi. C'est pas parfait. Allez, une pelle, un sceptre, tout ça, je vais encore remplir mon inventaire de merde. Et du coup, je vais galérer. Un coffre. Alors, dans le 2, vous aviez aussi vous aviez des croix par terre au sol. Et avec une pelle, vous pouviez creuser et trouver des trésors. C'était plutôt cool, aussi. Ah, un parchemin, fait pleuvoir un feu magique sur vos ennemis. Ok, c'est cool. Alors, je vais tout de suite le charger, comme ça on pourra essayer ça. Ah, j'ai quoi ça? D'accord, c'est pour illuminer. Okay. On s'en fout d'illuminer pour l'instant. Useful for lots of enemies. Je vais prendre toutes les pièces, on va les faire une par une, voyons. Ah, je prends tout pour l'instant. Later, maybe. Pourquoi? Ah, j'en ai cru que je voulais lui parler. D'accord. Later, maybe. Mais arrête, c'est pas toi que je vais parler, voyons. Ah, le 1, franchement, tu peux passer à côté, hein, il est pas top. Le 2, par contre, c'est une. Si tu comptes pas acheter le 3 pour l'instant, le 2, c'est un bon petit jeu. Look, there is something there. But it looks like there's no way to get over. Well, unless you can fly. Va falloir encore soulever un arbre pour passer ou... Vol du perroquet, vous transforme en perroquet. I see. Parrot flight magic. You can use it to fly over gaps and chasms. C'est rigolo ça. Alors, on va essayer ça tout de suite. You can go there by yourself. Sauf un perroquet, vous pouvez planer autant que vous le souhaitez. Utilisez de l'énergie pour monter. Lorsque vous n'en avez plus, vous ne pourrez plus que planer. Espace pour s'élever, d'accord. Ah, ok. Salut Yo-Yo. Franchement, perroquet, c'est rigolo. Une bonne idée. Anneau d'or étincelant, ok. Tout ça.
Waouh, j'ai appuyé trop vite. Coupez vos dos. Ah, c'est trop rigolo ça dans le 2, si je me rappelle bien, on pouvait on pouvait faire des poupées voodoo de gens et du coup on les contrôlait, etc. C'était trop top. Enfin, moi ça m'avait bien plu. Wow, il a pas aimé. Je pense que j'ai fait une connerie. Non, remonte. C'est joli quand même. Je vais tricher. J'ai déjà allé là. Val, petit oiseau, val. C'est vraiment sympa ça, hein. Moi j'aime beaucoup. Hop, il y a pas son couille par terre, je prends. C'était sympa dans le 2 le côté à l'ancienne, mais dans le 3 ça risque de poser problème sur la longueur en fait. Je pense. J'ai eu cette caméra. Mais en fait, la direction artistique a des sursauts de génie des fois. Regardez, c'est plutôt joli. Si je fais un screen là, franchement, super beau. Bon, vous voyez peut-être pas parce que vous avez une raison pourrie sur Twitch, mais voilà, c'est sympa. C'est la Stargate. Ouais, yo-yo, ce serait peut-être bien de pas spoiler, hein, ceci dit. S'il te plaît, merci. Non, c'est pas drôle en plus, ça te fait marrer. Ça te fait marrer. See, now you've got your own command, after all. No. Don't talk such crap. I'll get you out of here. Et là on joue la fille, et c'est top. It's too late. No. No. Ah ouais, carrément, pouf, allez hop. Quête annulée et tout. Ah, c'est bien fait. C'est rigolo. Goodbye. Si on joue la fille, c'est génial. J'ai trop des grosses là. On va avoir mal au dos. Et deux mazes. Wolf. 3 semaines plus tard, il se réveille en squelette. Et là, on joue toujours en squelette. Je fouillerai bien les débris d'un mec mort pour voir. Histoire de lui piquer tout l'argent qu'il s'est pris la tête à choper dans le temple du début. Oumba, Kachoka, Rit. What the hell? Easy! You're not ready yet. Take oh, your le doublage time. Est pourri. What? Have patience. Le doublage est vraiment pas bon. How did I get here? One thing at a time. After death, it takes time for your mind to clear. Believe me, I know what I'm talking about.
My spirit was trapped in the underworld once, too. There's nothing wrong with my spirit. Fine. Then tell me what you were doing buried. Having a little nap. Look, I was... And where is your companion? You didn't come here on your own, did you? Patty. Yes, exactly. Mais les Patty pas où? He buried you and has long since gone. But from now on, I'm going to keep a beady eye on you so you don't lose the rest of yourself. Mais qu'est-ce que les ombres m'ont fait? What did the shadows do to me? Ah, y a plus de classe que moi quand je parle. And took your spirit to the underworld. You're just a spiritless empty shell. It's only a matter of time before you become nothing but a soulless minion of the underworld. Why me? No idea, but someone in the underworld doesn't like you. Wrong place, wrong time, perhaps. Me? A minion of the underworld. Yes, my friend, you will become a demon, a lackey of the underworld. Île brumeuse. Killa, petite île des mers du sud. On raconte que les indigènes y sont particulièrement superstitieux. Ça sent quand même les quêtes pourries. J'ai pas fait le tour de la côte des crabes, ça m'embête. Ça se trouve, il y avait des. Ça se trouve, j'avais des. J'ai joué aussi. Je vous en parlais vite fait, donc je vous le dis. J'ai joué au Sims 4 à Gamescom, c'est super bien. Et je suis sérieux quand je dis ça. J'ai joué 25 minutes et j'ai trouvé ça trop bien. J'aime bien globalement, hein, mais j'ai pas aimé Sims 2 et 3. J'aimais bien le premier, moi j'étais trop accro. Hein. Et le 4 m'a beaucoup plu. Donc, île des aigrefins, on va aller. Je vais pas faire l'île brumeuse pour l'instant. Parce que l'autre elle est petite et il y a un trésor et ça me plaît. Voulez-vous vraiment rejoindre cette destination? Oui. Il n'y a pas de chargement, ça c'est cool. Bon, en même temps, j'ai un bon processeur, mais... Ça fait plaisir. À moins que ça soit un chargement, en fait. J'ai rien dit. Il est fort probable que ça soit un peu... je cherche un petit peu ton jeu et je te le cache avec une petite cinématique jolie. What are they? The reason Alvarez wants to see you. Ghost ships. I've seen something like them before, but that was a dream. No, 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 this is no dream. It's Crow. Pirate Captain Crow. That cutthroat. But he's fucking dead. He's returned from the underworld and he's boarding every ship he comes across with his cursed fleet and minions. Underworld? We've got to get away. If they find us, we're done for. Ok. On est pour rien, quoi. Ah non, d'accord, c'est juste une petite vidéo pour nous montrer. Nous sommes donc à l'île des aigrefins. Omi, come with Grand Bodo. Omi, help. Oh mince. I can't understand a word. Speak more clearly. Gaga goes on to yip yip go. That was fast. Bon, pour l'instant, Resident 3, ça part bien, c'est un peu comme le 2, c'est prometteur, on va dire, ça... On n'y joue pas pour le scénar à proprement parler, mais plus pour l'aventure. Ça a l'air d'être toujours aussi bon comme le 2. Après, voilà, il y a des petits bugs, il y a des petits trucs qui font que c'est pas le jeu de l'année du tout, hein. C'est vraiment pas un grand jeu. Mais c'est plein de promesses pour l'aventure, comme je dis.